Bienvenue à Charleville-Mézières. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de Fifik, un chien imaginé par Marcel Hébers, auteur de BD. Il vient de sortir son deuxième album. On va le retrouver ici, dans ce café-librairie Plume et Bulle, où il trouve son inspiration. Bonjour Marcel. Bonjour Laurent. Ça va bien ? Bah, très bien, et toi-même ? Bah, très bien. Alors, on va parler de ton album aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Fifik et tombe 2, En marche vers la gloire, qui vient de sortir. Et bah, tu sais quoi ? On va aller là-haut, on sera plus tranquille. Bah, c'est bon pour toi, Ronan ? C'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Je ne suis qu'un petit chien, je ne sers vraiment à rien. C'est mon destin de petit chien. J'ai commencé à gribouiller sur une feuille de papier, ce petit chien, il est ressorti. Voilà, c'est ça, j'avais oublié. Je le faisais déjà, en fait, quand j'avais 12 ans. Je dessinais des petits animaux qui avaient un petit peu cette tête-là, quand même, la tête carrée. Et ça m'est revenu. Et quand je l'ai vu sur papier, je me suis dit, mais c'est marrant, ça me plaît, c'est facile à dessiner. On va essayer de faire des petites histoires avec, tout simplement. Et donc, j'ai commencé tout simplement sans trop réfléchir. Et je continue encore sans trop réfléchir. C'est un peu grâce à ses amis, un peu beaucoup même, que Marcel Hébers s'est décidé à faire sortir son héros de l'ombre. Jusqu'alors, Fifik évoluait dans un cercle plutôt confidentiel. Pourquoi les éditeurs ont accroché au personnage ? Parce que je pense que le côté pastille, trois cases au début, il y avait un petit côté immédiat et qui a dû plaire. Et il y a aussi... Je ne vais pas remettre en cause les talents de dessinateur de Marcel, mais il a le trait précis, parce que je ne sais pas s'il a une grande palette de traits, mais voilà, des personnages précis, facilement identifiables. Après, moi je dirais parce que c'est drôle. Fifik, c'est un univers bien particulier. Depuis le chien philosophe qui se pose beaucoup de questions existentielles et au sale caractère, et tout un tas de personnages attachants, sans compter son maître, un tantinet dépressif. Peut-être c'est un aspect de moi-même qui me pose peut-être les mêmes questions, je ne sais pas. Je ne suis pas conscient en tout cas. Et donc il n'y a pas que Fifik, il y a aussi d'autres personnages dans le livre qui reflètent peut-être d'autres aspects de ma personnalité, c'est possible. Voilà, il y a le chat, il y a la mémé, Parfois je me dessine moi-même aussi, comme là, c'est plutôt moi. Ça s'est plutôt inspiré de ce que ma femme peut me dire. Et pas que, parce qu'il faut que je sois prudent. Mais voilà, c'est les personnages les plus importants. Ces personnages, ils sont attachants, et puis ils évoluent aussi au fil du temps. Et c'est ça qui est intéressant de voir, parce que... ils prennent de plus en plus de caractère, de force, et c'est vraiment sympa de les voir depuis le début et puis jusqu'à maintenant. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Et c'est aussi à force de faire, c'est à force de dessiner, de donner des textes qu'on arrive à les connaître aussi, en fait. C'est ça qui est marrant. L'avantage d'une BD aussi, c'est qu'elle peut s'adresser un peu à toutes les classes d'âge. On pourrait me dire qu'il y a plusieurs degrés de lecture. C'est effectivement ce que je cherche maintenant. C'est comme les gens y veulent. Mais ça, c'est l'avantage d'avoir des animaux aussi. Ça, c'est très, très... comment dire ? Ça reste très, très ouvert. On peut se reconnaître dedans. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça fait appel effectivement à l'enfance. Mais encore une fois, ça va un petit peu plus loin quand même. Si Marcel apprécie le calme et la tranquillité pour donner vie à son personnage, il aime sortir et se frotter au monde extérieur, en mode nomade, pour trouver de nouvelles sources d'inspiration. Est-ce que l'inspiration est bonne, là ? Oui, toujours. Oui, ça, je ne cherche pas trop, en fait. Ça vient ou ça ne vient pas. Je ne me pose pas beaucoup de questions là-dessus. Je dessine, j'invente des choses. J'essaye de ne pas trop juger mon propre travail. Ensuite, c'est les autres qui s'en occuperont peut-être. Comment ton personnage risque d'évoluer dans les années qui viennent ? À terme, j'aimerais bien faire des histoires plus longues. Bah, bon. Tu sais quoi ? Je vais te laisser travailler. Moi, je vais continuer mon petit bout de chemin. Ça marche. Voilà, et ben, je te dis à bientôt. À bientôt, merci d'être venu à Charleville. Ça marche, merci.
Eh bien voilà, c'était notre rencontre avec Marcel Ebers qui sera présent sur un festival de BD en décembre à Paris. Nous étions à Charleville-Mézières et la prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.